Où ça, Boboul? Moi, quand j'en ai qu'il m'a fait le français hier. Ah, je suis en belle ville, où ça? Mais t'es pas doux, Féfé. L'autre jour, je descends dans la ville, je me parie qu'on est fort France. Il rajeunit, il vient plus belle, il change Fidji. Il s'est dit que il a fait travaux tout partout, rien que pour changer beauté la ville là. Toutes ces vieilles maisons grillées qui passent rien. Ah, Féfé. On a l'impression que Meyak a fait tout ça qu'il faut pour rendre Fort France belle. Hein. Tous ces parkings qu'il a fait pour parquer l'auto, en local pour parquer les gens. Il y a une belle caille aussi. Et ces belles cailles-là, on ne peut pas voir ces belles cailles-là. Il y a une belle caille aussi. Je vais changer, Bouboul. Là, je suis tout petit. Je tenais une belle caille, une belle, belle couleur. Les gens ne peuvent pas contrôler les gens et puis le sourire. Nous devons vivre en toute convivialité. Actuellement, c'est rien qui va qu'à bon créer à ces encoins là. On ne peut quand même descendre Fort France en nuit de peur y agresser moi. Féfé, quittez-moi de où ça? Vous savez que dans peu de temps, Fort France qui est plus belle qui sort de Kawaii avant. L'autre jour, je suis descendu Fort France. Je suis remarqué que tout le monde a commencé à faire devant la porte caillou. Mais il semble qu'il dit mode actuellement. Aïe aïe aïe. Je suis changé dans le temps, femme patin, il doit parler. Féfé, est-ce que tu as songé d'aider? Merci. Merci. C'est un bout qui était toujours devant toi. Madame, il est obligé de faire tout devant Kaïlia. Pauvre beau. Il n'a pas tenu en l'occurrence non plus. Hein. Et pourtant, Tika, il n'a pas été si laid que ça. Hein? Mais actuellement, Tika, il est belle tellement. Mais non, il faut que vous trouviez, vous compreniez ça, les autres. Là. Et bien, mais qui m'a dit à Boug l'a fait? Faut que femme me dise, quand j'ai un Boug, je l'ai fait devant la porte de Kaili. Aïe, d'après ça, il dit, moi, c'est chaque entreprise que ça va. Mais puis, qui l'argent?
il fait pour payer tout ça, mon. Mais c'était tellement pauvre. Tes chemises étaient déchirées. Et t'es tellement débraillé, pas t'es même ni à rien pour y aller chercher travail. Toi aussi, t'as fait ravaler ta façade? Mais bien sûr. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Mais allez donc voir le maire. Le maire. Boucle à terre, mes femmes? Son bataille, monsieur. Et il rivait à payer quand même. Pauvre Bouc. Mais tu sais, Féfé, il a pu ravaler grâce à une démarche faite auprès du point d'accueil couleur qui se trouve au 65 de la rue Fosmarago. La ville leur a donné 20% sur les travaux effectués. L'aide pour l'amélioration de l'habitat. Ils ont également versé entre 40 et 60% des travaux effectués intérieurement ou extérieurement. Ah bon? En outre, il paye directement aux entreprises. Eh ben. Et toi, Bouboule, comme tu loues pour... Je loue? Mais oui. Les petites étudiantes qui sont en bas de chez toi, là. Mais tout le monde savent ça. Et tout le monde savent ça. Enfin, bref, oui, font. Si tu ravales ta façade, Bouboule, tu sais, l'ANA, l'Agence pour l'amélioration de l'habitat, elle te verserait jusqu'à 60% de tes dépenses effectuées. Faut qu'on ait de bagaille, hein. Bon, t'attends pas qu'arriver. Ma gageon est dans le temps. La nuit de gageon domine au monde pas décarrivé en retard, vous savez. Une façade, c'est à la fois une propriété privée et une propriété publique. C'est privé parce que c'est la propriété de quelqu'un, la façade, du propriétaire du bâtiment. Même dans ces bureaux, parce que tout le monde la voit. Et comme tout le monde voit, et quand on voit que c'est dégueulasse, c'est pas bon. C'est un peu comme un être humain. Si vous avez un vêtement, puis le vêtement est sale depuis tic-tac jour, vous ne l'avez pas changé, vous ne l'avez même pas lavé, voulez-vous que vous soyez attractif? Aucune femme ne voudra de toi. Alors c'est pour ça que la première des choses, c'est de s'habiller, de se laver, de se vêtir. Si vous avez une ville qui n'est pas entretenue, qui est sale, mais celui qui passe, qui voit que le mur est déjà sale, il cagite trop facilement, plus facilement, en zodiant l'arrière. Tu ne sais pas jouer au domino, toi? Non, un tout petit peu, mais vraiment, tout petit peu. Hein. En plus, je me souviens même pas des regards. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est un jeu d'homme. Mais bon, on va t'apprendre, on va t'apprendre. Ok. Ça contribue d'une image globale. Et surtout, c'est mieux encore, parce qu'il y a une architecture traditionnelle très intéressante en ville. C'est mieux encore, ça contribue d'une dynamique de réappropriation du centre. C'est mieux de voir des couleurs pourpres plutôt que de voir des couleurs grises et sombres, parce que ça agit sur le mental. Hein.
La troisième chose, c'est que nous ne sommes pas restés là comme ça. On a mis une équipe sur pied. Et toute une organisation administrative, municipale, opérationnelle. Premièrement, expliquer, accompagner et suivre. Et surtout, y compris malgré les faits moyens de la ville, apporter un petit pécule. Dupsis. On est Dupsis là. Attends, où c'est Dupsis qui est la même là? Mais je t'ai déjà expliqué que pour commencer la partie de domino, il faut poser le Dupsis. Si tu ne poses pas, on ne peut pas commencer. Ah, d'accord. Et nous avons lancé une étude chromatique intéressante, très intéressante. D'ailleurs, de plus en plus de personnes utilisent ces palettes de couleurs. Ce n'est pas une obligation légale, mécanique, on n'est pas dans le droit. Mais on incite les gens à suivre une ambiance. Et à ce titre-là, on donne des conseils. Je veux féliciter tous, y compris ceux de l'extérieur qui sont à la rue François Rago dans la cellule d'accueil et qui prodiguent ces conseils-là. Mimi, tu as gagné la première partie. Mmh. Donc c'est à toi de poser là maintenant. Ah bon? Dupsis. Mais Mimi, où gagne la première partie là? Tu joues le domino que tu veux ou tu vas pas mais poser un Dupsis à chaque fois? Ben d'accord, ben... Vous savez, venez en temps, on va dégager le domino. Voilà. Je vais dégager ce chapeau là même. Dernière chose, c'est l'achalandise. Si on veut que la ville vive, il faut créer les conditions de l'attirance. Je n'ai rien contre les grands centres commerciaux. J'y vais moi-même aussi. Mais c'est beaucoup plus chaud et beaucoup plus culturellement ancré de s'approprier les rues de la ville. Moi, j'adore que l'on gagne parti. Ou gagne premier ou gagne deuxième là. Ou pas briser un posant Dupsis à chaque fois. Quoi poser domino quand ou là, ou pas obligé de commencer puis en Dupsis. Ou pas gagne poser Dupsis à chaque fois qu'on gagne. Ouais, ok. Et ben voilà. Lorsqu'on aura terminé la reprise de l'ensemble des taux 3, on aura mis de la chaleur, de l'intimité, de la sécurité encore plus importante. On aura conçu suffisamment de places de stationnement à l'extérieur pour permettre d'arriver facilement. On aura piétonisé tout ce qu'on peut. On aura restauré des monuments historiques. On aura fait passer beaucoup de transports pour qu'on puisse pousser la population à utiliser le transport. Les navettes vont arriver de manière plus récurrente et plus mécanique sur le fond de mer. À ce moment, on aura créé les conditions de pouvoir dire que Fort-de-France est une vraie capitale. Et c'est dans ce sens-là que je considère qu'il faut absolument ravaler. C'est un effort qui paiera à terme. C'est obligatoire, il n'y aura pas de possibilité de dérogation à ce ravalement. J'insiste énormément parce que, en fait, c'est à la fois le désir de développer, mais aussi le souhait de pouvoir sauver le patrimoine. Il faut y aller. Mais c'est à moi de jouer là. Mais oui, chérie, jouez sur qu'à jouer, oui. Ah bon. Tu joues ou pas? Oui, mais ça y est.
Oh là là. Boudé. Bon, alors, c'est la troisième partie. C'est mon gars est parti là. Vous êtes tous les deux en cochon. Si vous gagnez. Si vous gagnez. Double 6 et double cochon. Faut me la battre, mon féfé. Ouais. Ils battent nous. C'est la première fois en bas qu'on s'arrive à moi. Première fois en femme battre moi en domino. Mais on peut dire c'est chance ici. C'est chance. C'est chance. 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 Je vois pas ce que je veux. Ah, te voilà enfin, toi. Ah, voilà ta table. J'ai une très bonne nouvelle. Sans blague, laquelle? Je vais faire avaler ma façade. Ah bon? T'aurais pas pris un petit coup de soleil sur la tête, par hasard? Non, tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Mais je l'aurais déjà dit, hein, en plus. T'en aurais ça, là? Mais c'est Caïmarara qui l'a. Elles sont belles, les couleurs, hein? Elle est belle, celle-là, hein? Elle est belle, moi je l'aime bien, elle est très belle. C'était madame moi, la main de tout petit. Foute madame un des mauvais. Faut qu'elle a été belle aussi. On va dégager les maisons à terre aussi belle que ça. C'est ça le secret, Féfé, le ravalement. Celle-là, elle est belle, elle est vraiment belle. Hein? Ouais. Vraiment elle est, belle. Elle est belle, celle-là. Mais bon, non, je préfère celle-ci. Tu as vraiment décidé d'être contrariante aujourd'hui, toi, hein? Non, mais je préfère celle-ci. Et celle-là? Elle est pas belle, celle-là? Fais voir. Ah oui, elle est belle aussi, celle-là. Ah oui, elle est vraiment belle. Elles sont belles. Si tout le monde a décidé de faire caillou, faut te voir y aller de caillou belle.